It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Vendo na vendo! Des bonnes grosses bites, des bonnes grosses bites. Warm up. Voilà, merci. He fucked up. Oh, le bras. Il a pris hyper cher. Oh, mania. Vous avez entendu ce bruit? C'est son deck qui est cassé. Non, je... Je remonte sur le roc. La zone super dans le sofa. Canon, frotte mon pénis. Le vendredi, je suis au tamis. Chalet, le petit lingot. Attention le drop. Tu fais chier. Et toi aussi. Oui. Il y a un petit à la règle dans skatepark. C'est un joli chien. Putain. Toi tu fais chier là. Il y a qui lui? Passez pas devant. Bouge. Mais putain, mais t'es con. Mais il fait exprès. Oh, on lui a dit 3 fois, monsieur. Au bout d'un moment, après, il y a le rôle des parents, c'est tout. Non, mais... C'est... Voilà, il fait une mariole. Il dit rien. Vous avez vu les réflexions que vous avez, les gars? Hein? J'ai dit quoi? Pas toi, ton pote, il a dit c'est pas une garderie. Mais il a 8 ans. Oui. Et alors, le skatepark, il est pas à vous, les gars? Est-ce que le skatepark, est-ce qu'il y a une règle d'écrit? Ouais, interdit au vélo. Venez. Au véhicule, à moteur, jeu de ballon et autres vélos. Ouais, bah. Mais il y a un moment donné, c'est vous qui êtes adulte ici, c'est pas moi. Moi, j'arrive. Et il y a un moment donné, c'est à vous de comprendre. Ah non, c'est pas nous. Mais si, mais c'est à vous de leur dire, eh les gars, vous êtes en vélo, à la rigueur on accepte. Maintenant, nous embêtez pas, vous mettez pas devant nous. Mais on leur a plutôt dit. Que de leur c'est dire, je sais pas quoi. Moi. Mais il y a des choses, quand toi t'arrives, que tu lui rentres dedans et qu'il a 8 ans, ça je le conçois pas. Mais c'est à force de lui non, dire. Non, mais je le conçois pas. Il y a un moment donné, mon gars, le jour où t'auras un enfant, et tes parents, toi, quand tu désobéis, ils te cassent la gueule. Eh bien, surprenant, parce que tu désobéis pas. La caméra est actuellement posée sur un rail de type enfer. Oh putain, t'as fait un truc de fou là. Quelle? Foufrou la girafe, elle est connue, ok? Tout le monde aime Foufrou la girafe. He fucked up. Oui, petit, oui. Yes, oui. 20ème, t'as gagné un iPad. Mathias, bouge. Il y a un truc de pas bien qui s'est passé sur... Mais putain, bouge ta mère. Oh, nique ta mère. La fin, elle a une remise franche complète. C'est bien! Oh, j'ai mis trop clean! Oh, allez, Mme Calme! Salut les copains! Oh, j'ai mis pas! Oh mon dieu! J'ai mis hyper clean! Personne là-dessus! Là, attention! Merde! Ah!
Je voulais cracher sur Ronnie. Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps. Il a un beau petit maillot de couleur wiper. Filme ça, regarde. Tu vas pas sauter. Il a fait quoi? Oh là là! Mais c'est un truc de fou. Allez. Même si je n'ai pas eu cours aujourd'hui. Oh la diffusion. Oula, ça va. Et mes couilles sur ton nez, ça fait un dindon. Allez, vas-y. Ah, il y a un trottinette expérimenté là-bas. On va aller lui faire une petite interview. Salut toi, ça va? Tu es abonné à la chaîne Tom LDX? Non. Tu connais le zap de Goofy? Non, mais... Les gouttes qui sont, ma foi, plutôt proches ne permettent pas un ride plutôt intensif. Alors qu'avec des plus petites gouttes, le taux de intensité en faveur de Saint-Nazaire. L'avantage avec les gouttes séchées, ça veut rien dire. Tu es en train de parler? J'allais dire, l'avantage avec les gouttes petites, c'est qu'elles sèchent plus rapidement. C'est ce que je veux dire. Alors que là, elles sont plus sèches, donc le taux d'adrénaline est moins palpable. Il est moins papa. Et voilà, on peut constater que mon hypothèse est bonne, car les petites gouttes d'un diamètre inférieur à 5 cm. Ouais, 5 cm, ça fait de la grosse goutte. Hein. Un grand falche. Salut toi. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais, bien. T'es fan de Wattibé? Ouais. Ouais? Non, pas trop. Tu connais leur musique et tout? Oui. Sympa. Tu connais le zap de Doofy? Bah oui. Par contre, t'as une crotte de nez là. Oui, je sais. Ah, il connaît les zap de Doofy. Bah, c'est oui. Bien, c'est un bon lui. Quoi? Tu as... Non, je lui ai demandé tout à l'heure. Merde. Non, toi tu connais? C'est obligé. Oui, oui. Ouais, filme-le lui, c'est un mec du terre-terre. C'est un mec du terre-terre. Ça ne vaut pas un pet de lapin. If you see what I mean. Tu vois là, j'ai un petit œil rouge. C'est parce que c'est plus stylé. Ça augmente mon taux de swag de 25%. Et ouais. Bon, enfin, t'as quand même une oxylo. Hein. Oh là, il pleut! Ah, ça pique! Prends le sac, le sac! Tiens, Fabien! Tiens! Oh là! Oui, tu connais. Alors, ça, c'est beau, ça. Lui, il trotte plutôt pas mal. On va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Bon, là, c'est les gamins en dessous. Je sais pas qui c'est. Ah, elle est pas mal cette trotte. Ça va? Ouais, et toi? Oh là! Je décerne le prix de la meilleure trotte. D'accord. Mais yeah sérieux? Un grand casque. Un grand casque audio. Pour écouter quelques. Oh là! Achoum! Il est mignon, lui. Je vais regarder dehors. T'es un bon petit quemard, toi? Allez, pousse! Allez! Ah bah, il est assis, voilà. Ses jambes sont il trop. Il est plus escanté, le con. Attends, qu'est-ce qu'il nous écoute? Slim Thug. Slim Thug! Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur toi? Comment tu t'appelles? Je veux pas faire une vie. Oh, ta gueule! Ça m'a dit, je suis une merde en trotte. C'est marrant ça. Je n'ai absolument rien compris. Geoffrey, ça m'a dit, je suis une merde entre autres. Geoffrey, tu peux nous ramener des glaçons? Qu'est-ce qu'il y a? Ramène-nous des glaçons. Je les ai fondus. Ah, c'est marrant ça. Tu sais que t'es un petit drôle toi. Merci. L'homme galaxie. Oh là là, le. Oh non, oui. Oh non. Alors cet homme, c'est une espèce particulière. Oh, c'est bien. On va faire une interview. On a remarqué que vous étiez une personne assez particulière. Non, toi, casse-toi. Parce que vous vous habillez seulement, exclusivement, oui monsieur, avec des tie-and-dye confectionnés main. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Je finis, je sais pas les faire, alors du coup je les achète. Et qui? Tu les achètes? D'accord. Oui. Où est-ce que tu nous achètes ça? Prépare. Comment dire? Goéland. Quoi? Le Goéland? À quoi? C'est un site sur Wapak. Le goût. Le site s'appelle Goéland. Oh là là!
Bonsoir, je commande des Dragon Eyes Rosy Boil. Il est plutôt moche. Merci, je le savais déjà. Hein. Mais on t'aime bien, on t'apprécie, Geoffrey. Merci. Fais-nous un petit discours ou un truc dans le genre pour expliquer ce que tu fais dans le monde de la trottinette freestyle. Je mets juste il et je mets pas whip. À part ça, je mets rien. Ah, c'est embêtant. Alors, explique-nous pourquoi as-tu choisi les appareils dentaires rouges et bleus. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Tu t'es dit, tiens, rouge et bleu, ça va être stylé. C'est ça. Ouais. Ça va? C'est ça. Ouais. D'accord. C'est bien,